Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Cisa aussi. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous retrouver pour la partie 14, je crois que c'est la partie 14 de notre petit let's play sur Pokémon Zeta en random lock. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va. Je suis rentré de ma petite semaine avec Volt, donc c'était sympa. Et voilà, donc dans le dernier épisode, on était en compagnie de ma copine. Et ah oui, j'ai entraîné l'équipe, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous voyez 40 à peu près, tous à peu près niveau 40. Pourquoi je les ai bien entraînés? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, à un moment qu'on a eu la CS Vol, il y avait une personne qui me demandait est-ce que tu veux être ranger? Et en fait, c'est des missions où tu affrontes vraiment que des dresseurs. Donc je voulais pas montrer parce que c'est vraiment affrontement sur affrontement. Et en gros, ça nous a permis d'XP d'une manière assez intéressante. Et bon bah voilà, franchement c'était cool. Du coup, j'ai pu voilà un petit peu EP. J'ai pas changé la team, mais j'ai remarqué en revoyant ce qu'il y avait en ville, qu'il y avait une personne qui nous donnait un œuf. Donc je vous spoil, hein, je sais pas ce qu'il y a dans l'œuf bien sûr, mais bon quand j'ai eu l'œuf j'étais un petit peu con vu que j'ai dû recommencer ce que j'ai fait. Et voilà, parce que je trouve que l'obtention d'un œuf c'est assez important vu que c'était en fait le premier Pokémon de zone. Et il se cache dans un petit coin. Alors il faut que je le retrouve parce que j'ai trop galéré au début. Il est où? Voilà, il est là. Juste là, on a ce petit mec qui nous dit: Psst, hey kid, you want this egg? Voilà. Et normalement, on a l'œuf, tout simplement. Voilà. Je sais pas de. Il vient de la Doga Town. Bon, on va essayer de le garder un petit peu. On a déposé. J'ai déposé qui? J'ai déposé. Je sais plus. Ok. J'ai déposé quelqu'un. D'accord. Il y a quelqu'un qui nous dit que l'œuf disque est le meilleur des Pokémon. Et on n'a pas beaucoup de choix. Voilà. Bon, on va dire oui. Il nous dit qu'on est une personne rationnelle. Mais je crois pas avoir visité ces maisons. Peut-être. Non. Oh, Instant Lapras. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est encore? Alors, Instant Lapras. D'accord. Donc ça remplace la CS Surf. Excusez-moi, la CS Surf. Bon, c'est plutôt cool. Ouais, bah voilà, bah c'est cool. Bah, bon, l'embêtant, c'est que j'ai appris surf à notre Maja. Yo, Weed, Blaze, Swag, yo. I sound cool, right? Non? Ok. En gros, on a appris surf à notre Pokémon et vu qu'on n'a plus besoin grâce aux objets qui remplacent les CT, je trouve ça vraiment assez intéressant, même si c'est pas français. Voilà, je suis désolé. Alors là, on va affronter les gens de la team Asgard. D'accord, donc il nous dit que le boss va s'occuper de nous. Donc là, il dit encore la même chose. Bon, ils disent tous la même chose. Alors, enfin, sœur, nous voilà. Ok, donc, elle va peut-être nous en apprendre plus pour. Si vous avez pas vu, je sais pas, les modes de cailloux, enfin, les petites statues de cailloux, on sait pas encore à quoi ça sert. Donc, ils disent qu'ils ont besoin de deux légendaires. Donc, pour l'instant, ils avaient. Comment ça s'appelle? Shaymin, si je me trompe pas. Et là, ils disent qu'ils ont besoin d'avoir Jirachi, le Pokémon veut. Et là, apparemment, il va arriver. Donc là, un truc bizarre. Divers. Donc apparemment, c'est leur divinité. Ouais. C'est très moche, hein. Donc là, ils nous disent qu'on est l'enfant qui les a humiliés. You can just throw the master rule and do it with it. D'accord. Donc apparemment, on n'est pas tout seul. Je comprends pas très bien la meuf en bleu, c'est qui? D'accord. Bon, bah c'est un combat duo, d'accord. Donc on affronte Thor qui envoie son aile liquide et Loki qui envoie Téléfix volant, bien sûr un Pokémon volant. Soana est tout petit. Je suis un petit peu au level. Ouais. Bon, c'est dommage. C'est pas grave. Je vais faire retour. Donc, les Pokémon, j'ai l'impression qu'ils sont pas random là par contre. À mon avis, ils sont pas random. J'ai la forte impression du Thor. Je crois que de base, il y avait un Elekid qui le suivait. Il l'avait fait renaître. Et là, c'est un peu. Ouais, d'accord. Donc là, les Pokémon sont pas random parce que c'est un combat qui doit être défini à mon avis. Surtout Mini Swanna qui m'a l'air assez, assez nul. Enfin, de par sa taille. Alors là, on a tout perdu. D'accord. Bon, on va switcher puisqu'on est paralysé, on a pris des dégâts.
avec Nightshade. Donc Ténèbres. Donc on va sûrement avoir une grosse attaque électrique qui va venir de la part de Luxray. Même si Swanna prend x4, peut-être que Luxray va plus le focus. Alors Extra Sensor ne fait pas grand chose. Il refait Aquaring, du coup c'est un petit peu nul. Luxray fait Wild Charge sur Swanna, comme je pensais. Et il expose sa mère vu qu'il est petit bol haut. Voilà quoi. Bah heureusement nous on a Gauthier le BG. Are you done? I'm done. Ok, donc il prend des petits dégâts de recul, il envoie Floatzel. D'accord, donc c'est un peu une counter team de la part de Thor. Hein? Peut-être que la meuf ça doit être le champion de Chico, ça trouve. Mais qui comprend rien, l'histoire ça. On va peut-être faire Power Gem, parce que j'ai l'impression que Luxray peut faire chier la team. Double hit. D'accord, c'est bien. Night Days, donc Ténèbres. Prendre ça un peu. Night Days? Ah non, Night Days c'est pas. C'est pas Explos Nuit. Si, ça doit être ça. Depuis quand il apprend Ténéfix Explosion? Bon. Bah, ça doit être Explosion. D'accord. Donc, c'est une grosse counter team de la part de Marcel. Donc de Thor. Ah, c'est dommage. Si je fais 10 charges, elle touche tout le monde. Night Days. Ouais, je pense que c'est. D'accord. Bon, je me sens un petit peu nul. À mon avis, ça doit être Explosion. Je sais pas comment je l'apprends. Bon. Vu que c'est un TNFX volant, tout est plausible. Ou si ça se trouve, c'est tout simplement un Zorua. Voilà, qui aurait pris la place de TNFX. Et ce sera assez bien vu de la part des développeurs. Ouais, donc ils le font, d'accord. Parce que je me souviens, enfin, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, dans le jeu de Volt, Zoroark a intimidation. Et là, franchement, c'est assez impressionnant qu'ils aient réussi à faire ça. Ça doit pas être facile. Par contre, j'espère pas mourir. Non, par contre je perds de l'actual situation et il me fait surf. Ok, on fait 10 charges. Ça touche les deux? Non, ça ne touche qu'un, d'accord, c'est dommage. Alors Gauthier. Niveau 41, donc ça c'est cool. Plus que 2 Pokémon. Pas net. Ah non, il doit avoir 3 Pokémon chacun. 10 charges touche les deux. Donc ça c'est cool. Ça c'est pas mal. Ça peut nous aider pour la suite. What? What the shit? En fait, il considère que c'est le même tour. Oh, dommage. J'ai l'impression. Oula, par contre, Poupitar va nous faire chier. Vranet aussi, du coup, on va envoyer Maja. Qui va pouvoir spam le surf. Donc, heureusement, Gauthier nous a permis de down 3 pokés, si je me trompe pas. Ouais, 3 pokés. En un tour, peut-être qu'il est pas possible normalement, mais c'est pas grave, hein, on est dans Pokémon Zeta après tout. Me fusionnerait, ça va faire chier si on se prend la para qui fait lance-flamme. Bon, peut-être que là il est random. Non, on doit. Oh non! Ah non, je suis pas d'accord là. Non, non, please. Quoique, attends, je voulais faire surf, ça touche les deux. Bien, est-ce que ça tue plus tard? Limite, on se serait pris moins de dégâts avec le long de folie. Bon, voilà, ça va. Ok, donc là, on est bon. Un petit peu dommage pour la brûlure. Ça peut nous faire chier pour la suite. Mais bon, c'est pas pris la confusion. C'est le principal. Hop. Donc, Gauthier. Et donc, est-ce que là, s'il le renvoie, ça compte comme un Pokémon qui arrive? Classe de Real Sableye. Et l'autre n'a plus rien. Très, très bien. Donc, on va pouvoir. Bon, on va spam surf. Hein. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais. Maja est chaud parce qu'il ne prend pas la confusion. Pas mal de dégâts, Nightshade cette fois-ci. Oula, par contre je pense pas qu'on va tenir un autre coup. Bon, en fait je pensais être vraiment au level, mais apparemment pas tant que ça, vu que vous pouvez voir que je galère pas mal. Même si ça reste du 2 contre 1, vu que l'autre bolos s'est fait un peu counter team. Hein. Donc heureusement on a Pyrus qui est dans la place. Et on va faire un petit Firefang pour le tuer. Et le coup critique complètement inutile. Voilà. Level 41. Bon. Ah voilà. On a battu le commandant Loki et l'autre que j'ai oublié. Thor. Ouais, ça doit être Thor et Loki. Non, impossible. Great Wolverine. Ah donc vite. Comment il s'appelle Fogler. Le... Il sait plus comment il s'appelle. Kemors, yes. Attaque hurlement, donc pour les virer entre guillemets.
Ok, donc apparemment ça a viré le Pokémon qui était. Enfin, le truc jaune immonde. Wilson told me about that. Bon, là je vais pas vous le cacher, je suis pas trop. J'ai un peu la flemme de traduire. Donc là, ils se sont cassés. Ça, c'est cool. Alors, on va soigner nos petits Poké. Je me souviens plus trop comment ça se passe. Je sais que tout à droite, bon, je vais pas trop vous spoiler, hein, mais tout à droite, il y avait plein de dresseurs. Mais au bout d'un moment, il y avait la Team Rocket. Donc on va voir s'il faut les, si on va pouvoir passer. Donc pour moi, j'ai fait toute la route parce que je sais que dans certains épisodes, on n'avance pas et ça m'énerve un petit peu. Alors, et là, qu'est-ce qu'il y a là? Un bateau. I'm sorry, you don't have the ticket. I don't have a ticket. Ok, là, I am. Hop. Ouais, d'accord. Donc apparemment, pour passer. D'accord, donc ça ce serait pour des îles mystérieuses, c'est un peu l'équivalent des îles en rouge et des vert feuilles, rouge feu, vert feuille, excusez-moi. Je pense, et j'espère ne pas me tromper. Hop. Alors, est-ce que ça a soigné? Oui. Alors Shido, l'ennemi multi-egg, ça va pas trop le faire. Enfin, le. Voilà, le Lucky Egg, on va le mettre à Maja. Switch. Alors j'ai l'impression que je vais peut-être virer Shido à la prochaine île. Parce que j'ai pas envie que l'autre. D'accord. J'ai pas envie que l'autre soit trop en retard. Donc là vous voyez, il y avait plein de dresseurs, donc j'ai tous battu. Loki. Voilà, parce que sinon on aurait perdu un peu de temps, ça m'aurait énervé. Donc elle, je crois que c'était pas une dresseuse, elle nous parlait de quelque chose. Elle nous parlait du Pokérus, voilà. I'm trying to catch this rare Pokémon thing. Ah d'accord, bon bah apparemment j'ai pas fait toute la route, bon bah écoutez, tant mieux. Enfin tant mieux. Attends, bah, il a qu'un Pokémon, ça ira. Allo classe, et moi j'ai Maja, donc on a 4 levels d'écart. Bon, on n'a pas tant d'avance que ça en fait. Ça va. On va faire Bite. Pour voir comment ça fait pas grand chose. Mais Flinch, oui, le pouvoir de Maja, Speak. Hop. Rain Dance. Donc t'es prêt pour le Fatal Foudre? Est-ce que t'es prêt pour le Fatal Foudre? Je commence un petit peu à flipper, si tu peux flinch. Oh, coup critique, yes! Bref, niveau 41. Normalement, vu que le classe a quand même de bons PV, ils sont bosseurs. Ok, parfait. Hydrocanon, bon ça non, merci. Ah, attends, est-ce que je peux enlever les CS? Pas encore assez. Ok, on peut pas. Enfin, je regarde sur internet parce qu'il y a une sorte de Wikipédia pour Pokémon Zeta qui nous dit un peu comment bah, comment avoir tous les objets, etc. Les objets, je veux dire, par exemple, la machette, etc. Et surtout, il y avait. Bah, il doit y avoir à peu près pour les CS. Donc là, j'ai pas envie de le battre. Là, il y a une Pokéball. Donc là, vous pouvez voir, il y a la Team Rocket qui nous bloque le passage. Du coup, il va falloir passer par les petits ponts. Hop. Donc le classe nous a pas attaqué, je crois. Un scientifique. Hop, deux Pokémon. Pinarak, ça va. Intimidation! Aquatail. Oh non, c'est mise à 90% de précision! Fury Swap, mon combo griffe. Allez! Oh putain, 4, allez, 5. Bien! C'est pas du counter, c'est pas du action. What? Ah, oh! Pas comme si on aurait dû taper depuis le début et on n'aurait pas perdu 30 PV pour rien. Bon, 27 exactement. Et de Clang. Clang, c'est un Pokémon un petit peu chiant. Donc on va emmener Pierre tout simplement. Clang. Firefang! Voilà! Yarmin! Bon, ouais, ça va, on se déroule plutôt bien, on a plutôt bien. 90%. Donc j'ai pas vu si c'était 90% ou 19% des personnes détestent les Pokémon. Mais bon, on allait récupérer l'objet en fait. Bon, je perds la mémoire, là. Colossal. Donc là, je vous rappelle que sur cette route, on a déjà capturé un Poké, donc c'était Natu. Natu, je sais pas comment vous dites. Natu, à mon avis.
Zatu, Natu, ouais. Alors là, il devrait y avoir pas mal de dresseurs. Bon, on verra. Spinda, ouais, c'est Tricker! Toujours intimidation. Contestation, ouais! Plus un. À côté. C'est quoi cette invasion de Sucker Punch là? Allez, boum. Hunter, ça va, je crois qu'on a. On n'a pas Crunch. On va spam à côté. Ah non, on avait Crunch. Parce que à tout côté, il le tue. Parfait. Bon, bah, magie qui va passer 42 avant l'heure. Écoutez, pourquoi pas. Hein. C'est très bien aussi. Rhyhorn, bon, ça c'est pour Zayn. Voilà. Hein. Bon, par contre, je vais faire serve, j'ai pas envie de miss et qu'il me fasse un gros lame de rock in the face. Il a pas une excellente défense spéciale, donc ça va. C'est cool. Mmh. 42 et le dernier Natu. Là on va pouvoir rester, on va faire Ice Fang. Moi j'ai fait ça. Ça va pas du tout. Dommage. Oh non. Oh non. Allez, va pas le bâtard Maja. Oui, Maja qui est là. Maja il se fait pas confus. Maja il est trop fou. Boom. Bon, je vais soigner Maja. Parce que j'ai acheté des potions et tout. Oh oui, ça va. 36, ça devrait aller. Y a moyen qu'on réussisse. J'aimerais savoir de quel Pokémon on aura dans l'œuf. J'espère que c'est pas un Pokémon random, genre la Why Not. Enfin, ok, ok. Hop. Pyrux. Le cake, voilà. Tac. Voilà, bon. J'espère qu'il n'y aura pas énormément de dresseurs parce que sinon, un objet. Swagger. Qui aime Elisabeth. Tac. Là, il y a un papy, on va l'éviter. Là, il y a un autre papy, on va l'éviter. Là, il y a une vieille mamie, on va l'éviter. Bon, non, on va pas éviter la mamie. De toute façon, ça, si jamais j'ai besoin, je la prends off parce que, bon, je sais qu'un combat, c'est pas le plus intéressant. T'as la gueule, ça. Ça va être impliqué. Voilà, Queen Cartoon! Ok. Bon. Ah voilà. Ça c'est fait. Bon, on va continuer. On a besoin de le trouver. Il est important à notre plan, on doit de nous aider à faire les rules, enfin les règles du monde. Hey bitch, red time always. Ok, I suppose right. Not my person, but in my heart. Ah, on a besoin de la TM87. Yes, no, I don't believe you. True. Will never show itself to like you. Ok. Donc on va encore l'affronter. Battle for the Swag. Bon, apparemment, le mec est tellement swag que t'as besoin d'acheter Swagger. Toi-même, tu sais, Jake est dans la place, Nico. Ok, Jake. Ah, quand même, il a. Oh non, concours horrible. Hunter Team encore. Bon. Tac seul. On va une Maja. Ça lui fait en plus l'intimidation pour Zayk. D'accord, bien, bien les combats définis, bien. À côté. Ah, peut-être que je surveille mes PP parce que j'en ai pas beaucoup. Hein. Bref, Pokémon d'après. Level 42, Maja. Merip. On va envoyer. Je suis un peu awake à électricité quand même. Hein. Week. Bon, c'est pas grave. Gauthier. Je suis ton père. Power Gem. Wouh, critical hit, motherfucker. Gauthier dans la place.
Ouais. Gengar. Bon, ça, ça on peut se le faire tranquille avec 10 charges. Gengar. Bien. New metagame. Le fameux Gengar mur de fer pour résister au crunch de Tyranitar. Bien. Double coup critique pour ce pass comme j'avais prévu. Bien. Un petit peu dommage qu'ils aient foiré ses attaques, c'est pas très grave en même temps, c'est juste un petit peu dommage. Groval, c'est qui ça? Masco, d'accord. Oui, t'as raison, ce combat est terminé vu que tu vas perdre! Payback! D'accord! Bien! Je ne lui axe pas de ouf! Non, c'est pas vrai! C'est même pas un coup de HP. Coucou, para! Yes, no! Yeah. Oh, c'est non-respect! Bon, voilà. C'était compliqué, hein! Gauthier 1364. On a battu Jake! Maiswag! 2500 pour 4 dollars, yummy! I can't even beat this like you. LOL, Jake, you lost! Shut up! Bitch must hatch it! J'ai triché! Bud GZ, to you. Yolo Swag! Yolo Swag out! Mec part un petit peu loin. Ah, c'est une nouvelle route. D'accord, donc là on peut récupérer un nouveau poké. Ok, instant la prasse, on peut. Oh non, c'est un vrai sphère. On va pouvoir capturer un nouveau Pokémon au Sand Zone, ça c'est cool. Fracture. Big time speed. Bien. Je axe un petit peu tout le monde, ça me fait chier. Alors, 2000 points d'XP. Kyogre. Oui. Henri Gauthier. Ah, il fait peur quand même ce Pokémon. Allez, Primo Résurgence Évolution, what the fuck. Slam, para, bien. Oh non, dommage. Putain, il fait trop mal ce truc. Midi Water. Non, dommage. Porte noir, on peut pas lui faire grand chose à part bite. C'est un flinch, non. Allez, Varapa. Je sais pas si ce sera assez suffisant. Je vais peut-être lui faire Aqua Tail. Non, ok. Patate. Putain, ça m'énerve. Genre, tu fais tout ça, tu gagnes 3 XP. Ouais. Et puis non, bon, ça va. Pas une grosse défense physique. Et de type psy. Tue ! Non. D'accord. Bon. On a eu chaud quand même. Hein. Ça aurait pu moins bien. Enfin, ça aurait pu se passer un petit peu plus vénère. Hein. Si j'avais faute à foot, par exemple. Là, on serait mort. Voilà. Quand même, tu sais. Attends. Donc, on a battu l'oiseau. My dream shattered. Alors, ce que je voulais faire. Donc, déjà, on va soigner Marcel. Voilà. Qui va nous servir? Ouais, là j'ai plus de. Para. Ok. Ok. Hop. Donc on va capturer le Pokémon de la zone, un petit peu explorer autour et on va se laisser là, je pense. Bon, on va se. It's chilling out! Alors, le Pokémon sera. Ouais, je suis enfin un petit pas sur le. Non, pas de vrai Poké, ça. Non, il n'y a pas. Bon. Ah, le Barpo sur 3 cases. Non, il n'y a pas de Pokémon. Moi, c'est. What? D'accord.
Bon, bah, il y a une Pokéball, on va la prendre. Hein. Oh, Rare Candy. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de. Non! I'm the very best friend in the world, no matter if I'm doing a man. Peu importe qui perd ou qui gagne, il sera toujours meilleur que nous. J'espère que tu n'as pas trop de Poké, ça va. Et on active. Ouais, je ne peux rien. Ah si, je peux te faire ton truc. Salut. What? Moi, je suis trop malin. Oh, t'es weak à nos deux attaques. Bon, du coup, on a perdu 50% de notre vie, c'est un petit bon moyen. On va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter les dresseurs. Je vais tuer Matt. I'm telling my mom. Alors, je peux pas aller. What? D'accord. J'espère qu'il y a des gens. Là, on esquive. On esquive. What? D'accord. J'ai dit tard. Bon bah. Un petit fleur sauvage après. Ça veut dire pourquoi pas, hein. Pas encore de Pokémon plantes. Et je te dis pas, t'as pas rien que je kiffe. Alors, le tue pas s'il te plaît, Gauthier. Bien! Je te déteste. Putain! On peut éviter de. Mais n'importe quoi, on a tout perdu! Marre de jeu. Ouais, les ramène tes oiseaux en carton. Ouais! Bon, ça, t'es que type haut en France. Ton évolution m'aurait fait chier, hein, on va pas se cacher. Dommage pour Chetifleur, il aurait pu être intéressant. Donc il apprend en fait poudre de l'eau, etc. 43. Non, voilà. Seeking, bon ça va. Est-ce qu'il a parable? Parce que ce Pokémon a paratonnerre, je sais pas pourquoi, mais là. On est next! Dragonair, bon là on va switcher. Ah, on a enlevé Dracos, voilà, on a enlevé Sycomore. Mais tiens, alors, j'ai laissé à Jump Kick. Et j'ai toujours peur à chaque fois que j'utilise, mais je trouve ça drôle. Mais pour les champions d'arène, enfin le prochain champion d'arène, j'enlève parce que j'ai pas envie que Tricker meure. Tricker, il est BG quoi. Il est BG quoi. My bird Pokémon. Ok, alors. On va continuer, donc là, on peut avoir des Pokémon. Ok. Tarpo, Polito, Mommy, Macarain. Non, mais genre. Il y a un truc chiant, j'ai pas des rappels. Non, bon bah désolé, ça va être chiant, c'est peut-être là. C'est pas dans la même. Il faudrait qu'on essaye d'arriver à la prochaine île. Ça, si jamais il y a encore une zone, ce serait bien qu'on a raté Chutiflor. On va prendre un Pokémon rapide, comme ça on va pouvoir fuir à chaque fois. Là il y a un papy. Ah d'accord, ça superposait. Waouh. Ah d'accord, donc là on est au-dessus. Kangler le bâtard. Oui, on a évité. Non, c'est des Pokémon. Mentali, oh Mentali est tellement stylé, c'est ok. Je pense qu'ils sont entre level 30, enfin ça va, ça monte assez vite. Ok, on va t'éviter, toi. Ok, bon. Alors. Nouvelle zone. Toujours la même zone. Bon, forcément, Pokémon à un moment. Hein. Voilà, Pokémon de zone. What's the game? Non, mais non. Non, j'ai dit.
Non mais j'ai dit que j'arrêtais avec les légendaires. Donc voilà, non, je ne pire pas les légendaires, j'arrive jamais. Je peux venir niquer toutes mes balles, même si je suis qu'une, aurait été cool. Ah, pour les bases secrètes. Ça c'était petit peu. Alors c'est un pomme de pique. Bon ça va, ça peut être... bon c'est pas ouf. Hein. Ah, là tout d'un coup j'ai envie de reprendre... J'ai envie de reprendre... J'ai envie de reprendre Suicune. Alors... Pour pas se faire honnête par patience, vu que ça fait le double des dégâts infligés, on va envoyer une grosse vole, telle que... bah la neige de coup. Ouais. Et boum. Hop, donc on va la dédicacer à... à Runash. Donc son pseudo c'est quoi? C'est Mugi. Donc un pote à moi qui s'est cassé le poignet il y a pas longtemps. Et comme Fortress est voulu dans un Pokémon acier, bah voilà. Bon, ce sera drôle. En fait il s'est pété le poignet en voulant dunker et il s'est explosé comme une merde. Et c'était très drôle vu que ses vacances sont foutues et que moi je suis un bâtard parce que je rigole. Voilà mon cul. Rondoudon, ça fait très très doc ça. Parce que Doc est petit et rond. Voilà, je l'ai dit, j'ai dit. J'aimerais bien sortir de cette grotte parce que c'est un petit peu random ça. Allez. Ah la sortie, la sortie. Ces cailloux servent à rien. Voilà, boum, je suis sorti. Eh bien écoutez, on est à Treasure Town. Bon, on va faire la visite de la ville maintenant. Et dans le prochain épisode, je vais essayer de faire éclore l'œuf, histoire de voir ce qu'il y a dedans. Et après, bah pourquoi pas voir s'il y a. On va voir ce qu'il y a dans la ville pour voir ce qu'il y a à faire. Alors. Ça me fait un petit peu penser à la reine du. Du 8ème badge dans. Oh, Argent Cristal. Donc là, il y a un casino, non? Un casino. Ah, une arène, d'accord. On va regarder rapidement ce que les gens nous disent. La reine, je pense pas qu'on. Enfin, je sais pas si on pourra faire. D'accord. D'accord. Donc en gros, il nous dit qu'on doit abattre le champion d'arène pour aller à la ligue. C'est pas logique. D'accord. Donc tes Pokémon préférés sont. Ronflex et Grandflex. Donc son mari est un chef et la petite fille. D'accord. T'aimes les Pokémon, c'est la chose la plus cool du monde. Tant mieux pour toi. Hein. Voilà. Il y a trop de gens là. Burning. D'accord, donc la meuf se fait chier. D'accord, object, non. Je télécharge pas les Pokémon, je suis un Nuzlocke. Visiting my Grand Pass on my break. Ok. D'accord, donc ils se font chier quand même. Pichou. Et la femme au fourneau. Bien. J'aime bien cette maison. What? D'accord, ça a éjecté. Bon, bah, j'ai compris que la porte était fermée. Love Disc, ah, ils sont amoureux. Moving. Ah, bien! Ah, oui! Ah, oui! Quel Pokémon a perdu une bonne attaque? Pyrrhus, voir ce qu'il a perdu. Tenterfang. Bon, il y a mieux. J'ai un Pokémon. Ok, on va voir pour Tricker. Alors, il a perdu. What? Oh, énorme! Ah, ouais. Ah, oui, d'accord. Bon, bah, Tricker, il va. On fera ça après. Enfin, je ferai ça en off plutôt. Donc il va pouvoir apprendre les points élémentaires, ça c'est cool. Ouais. Earth Scale Doll. Alors qu'est-ce que tu me dis toi? D'accord, on s'en bat des couilles. Bah, on va faire un tour au casino aussi, on se jamais. Oh c'est Pico! Allez, one confirm! Pico, un autre Pico. What?
Des fois je comprends pas, en fait si t'exportes pas le truc t'as perdu quoi. Bon bah on a Waterfall. Bien. Encore pire que Vol. Vol c'est dans une maison pétée, Waterfall c'est dans une maison pétée. Mais c'est Yapeko, donc Owen confirme. Bon bah, on va l'apprendre à Maja. Il n'y a pas le mec qui enlève les capacités spéciales, ce serait cool. Parce que bon, cascade ça reste une attaque plutôt cool. Surf sur un léviator, bon rien mieux. Surtout qu'on a la possibilité de pouvoir la remplacer. Je sais même pas, quel objet va pouvoir remplacer la cascade, ça va être genre les... Je sais même pas... Galette, Bagby. D'accord. Alors, le casino. Alors. Donc c'est ta première fois au casino, bienvenue, bienvenue, et je te fais voir l'endroit. Alors, là c'est les machines à slow, donc tu peux dépenser toute la monnaie que tu veux. Ok, donc on a besoin de la boîte à jetons. Il nous la donne, ça c'est cool, on va pas la chercher à perpète, comme dans toutes les autres versions. Can you create a deck of cards of your favorite Pokémon duel? What? Have any card yet? Ok, okay, I tell you what. I give you a starter deck. Ah merde, j'ai pris petit feu, sans faire exprès. Ah mais moi je sais pas jouer. Donc la loterie. Ah c'est bien ça. On va jouer à la loterie. Allez, je veux un cadeau. Ah bon, moi je sais pas jouer aux cartes, hein, du coup, je sais pas. D'accord. Bonjour. Allez, tout qui est. D'accord, les gens sont un petit peu addicts. Hein. Voilà. Bon, le mec, oh, il a tout perdu, genre. Sa femme et sa fille l'ont laissé, il est devenu alcoolique et il arrête pas de jouer. Bien. Bravo, Pokémon. Ah, oh, tu peux avoir Porygon. Fort. Fort Pokémon. Ça pourrait être un Pokémon de zone Abra. D'accord. Bon, bah, on va essayer d'avoir un. Ça serait cool. On va essayer d'avoir un bras. Bon, c'est un test, je le ferai en off. Et là, ça doit être pour jouer aux cartes. D'accord. Bon, ça, j'ai pas envie. D'accord. Cet homme a la meilleure conversation du monde. Non, moi, je sais pas jouer à votre jeu, d'accord. Je veux pas jouer. Si... La porte est bloquée. Bon. Je pense que les gens aiment un petit peu trop ce jeu. Ah, il y a le papy sur le vent, le fameux papy sur le vent. D'accord. Tu m'as déçu, papy sur le vent. Bon, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Attends. Very well. Alors. Ah, d'accord. Maybe I'll give you the place if you can. Ok, first question. Which region does Palette Town resist? Wow. C'est à Kanto, non? Ok. Team Plasma. C'est à... Il ne pas. Turn Black Cave. Je sais pas, moi. J'ai bon. In which region can you become an actor and film a movie? C'est Innova. Ah, il y a deux questions là. A corrupt Pokémon. Oh non. Bon, on verra après. Bon, je sais pas. Enfin. Bon, je vais faire pause parce que je vais voir ce qu'il y a. Ok, à tout. Ok, normalement, j'ai tout bon. Hein, si je panique pas. J'ai mis le texte en insane, sinon, c'était trop long. Donc, Palette Town, ça Kanto, Unova, Sinnoh, bon ça j'ai trouvé par inadvertance, Innova, alors ça j'ai trouvé Auré en ratant tout, et là normalement, je me garde, tout ça pour ça, mais non, putain, bon, bah écoutez. Je sais pas à quoi ça sert les cartes, ça trouve c'est super intéressant, c'est la vie. Toujours est-il que la ville s'arrête là.
Bon, bah écoutez, dans le prochain épisode, on va voir ce que donne l'œuf et on va faire la prochaine arène. Voilà, c'était Cisoxy, merci de m'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye les gens!